En ligne, tous responsables, à commencer par les journalistes fact-checkers. Ces derniers jouent un rôle primordial dans la lutte contre la désinformation en ligne. Ainsi, une formation initiée par le ministère de la Communication a été organisée à l'American Corner de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody le jeudi 18 juillet. Et les journalistes, de ce point de vue, sont des acteurs importants dans la diffusion de l'information. Il faut que lui-même ait tous les outils pour pouvoir vérifier l'information qui est diffusée ou qu'il est censé infirmer ou confirmer. La désinformation représente un véritable danger pour la société, minant la confiance du public dans les médias et les institutions. La formation vise donc à renforcer les compétences des journalistes en matière de fact-checking, les aidant ainsi à mieux détecter et contrer les fausses informations. Une fois que chaque utilisateur en parle sur de vérifier l'information avant de la partager, vous allez voir l'activité d'adultime, la diffusion de vos informations d'adultime. En août 2023, le directeur général de la police, le général Youssouf Kouyaté, apparaissait sur nos réseaux sociaux ainsi que sur des panneaux publicitaires vêtus d'une tenue d'astronaute. C'est ainsi qu'a été officialisée la campagne en ligne « Tous responsables ». ».